Je m'appelle Camille Seri, j'ai 24 ans, je suis étudiante sage-femme et je suis également sportive de haut niveau sur 400 mètres haies. Pour la visualisation, donc j'en fais déjà 10 minutes par jour. Au niveau compétition, ça sera plus visualiser du coup la position de gagnante, visualiser battre ses adversaires. Au niveau scolaire, la visualisation sera plus sur l'organisation de la journée et plus sur l'organisation des révisions. Donc je vais visualiser à tel moment je vais réviser pour pouvoir vraiment être dans mon cerveau libre et de me dire ça sera comme ça et pas autrement. Bah ouais, c'est vrai que c'est important je pense de visualiser comment on s'organise parce que si c'est brouillon, si c'est trop brouillon, on va dire ah bah je vais commencer par ça puis ensuite on va retourner sur autre chose. Donc là vraiment ça permet de savoir où on va et comment on le fait. Alors après, déjà des fois quand on voit visualisation, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va fermer les yeux et s'imaginer en train de faire ça. Bon, je pense qu'il y a différentes manières de le faire. Par exemple, moi je vais écrire, je vais avoir un petit carnet, je vais écrire, je vais faire à telle heure, je vais faire ça. Et en fait, c'est aussi de la visualisation.